tiaru pe la gogo mi vo mi no mujo. La femme, elle est très importante. Dieu ne permet pas de tourmenter la femme. Pour cela, Dieu lui a donné une sagesse particulière. Mais si elle se met en colère, alors son soleil va se changer en ténèbres et sa lune en sang. Et elle sera détruite. Hey, Lolo. Mia fe mawa lolo mutolo e kakala mede ede ejila oh lolo mia fe mawa lolo mutolo e kakala mede ede ejilo. Aye, eh, lolo, mia fe mawa lolo, motolo, kekela, medi de jilo, mia mawa lolo. Notre Dieu est grand. Ekeke. Il est immense. Etriakba. Il est coriace. Mousse kata toi wonya. Il est le Tout-Puissant. Il est le roi des rois. Il est le vaillant héros. L'Éternel se lève. Et tous ses ennemis sont dispersés. Dans le nom de Jésus-Christ. Paix en ce jour. Et tu manifestes tes œuvres particulières. Et tu as envoyé tes anges dans ce temple. Et qui ont rempli ce dernier. Tes enfants à la maison en cet instant. Et ta gloire de grâce est descendue sur eux. Et aujourd'hui, et tu as accompli des œuvres spéciales dans la vie de tout le monde. Le Jésus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tu es digne de gloire et de louange. Jésus, merci à toi toujours. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et allons dans le psaume 106. Salomon. Psaume 106. Ce matin, et nous lisons le verset 4. La parole dit, Yahweh don kuchinya le wo amenveve tine defia wo tu kolanu. Éternel, souviens-toi de moi dans la bienveillance pour ton peuple. Cho. Et souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Et souviens-toi de moi en lui accordant ton secours. Oh, Yahweh. Oh, Éternel. Donc, souviens-toi de moi. Le où amenu veve la nous. Dans ta bienveillance. La grâce de l'Éternel fera en sorte que l'Éternel se souvienne de nous. Et partout où tu te trouves aujourd'hui, et grâce à la bienveillance de l'Éternel, il se souviendra de toi. Cette bienveillance est élargie pour que l'Éternel se souvienne de toi. Mon frère, ma soeur, en ce jour,
Si tu demandes à l'Éternel de se souvenir de toi, il t'aidera par sa grâce. La bienveillance qu'il a manifestée à son peuple. Et il te visitera et se souviendra de toi en t'accordant son secours. Novio, frères et sœurs, aujourd'hui, c'est le jour que l'Éternel a créé. Et pour accomplir une œuvre spéciale dans ta vie. Et de faire en sorte que tu arrives à reconnaître sa bienveillance. Il ne veut pas que tu fasses une chose. N'injurie pas, ne méprise pas la grâce. Ne méprise pas cette grâce. Ne permets pas qu'elle s'éloigne de toi. Mais plutôt, ta conduite, tes comportements, tes démarches, fasse en sorte que cette grâce soit agissante. Alors sois attentif. Je t'ai enseigné plusieurs fois. Si quelqu'un te remet quelque chose, comme un verre à boire, un verre, oui, le verre, et il te remet ce verre, il dit je te le donne, tu dois savoir que cette grâce que tu viens de recevoir, si tu n'en prends pas soin et que tu la perds, et ce verre sera cassé. Une fois cassé, il n'y a rien qu'on puisse faire pour les remettre ensemble, ces morceaux. Il est ainsi détruit. C'est ainsi qu'est la question de la bienveillance de l'Éternel. Ainsi l'Éternel veut que tu préserves cette grâce. Et cette bienveillance par laquelle l'Éternel s'est souvenu de toi, ce qu'il a manifesté au peuple, il te visitera avec sa bienveillance. Il l'avait manifesté à plusieurs nations dans le monde entier. Maintenant, dit, tu dis qu'il te visite avec cette bienveillance. Alors, prépare-toi. Afin de ne pas perdre cette grâce. Alors, le secours de l'Éternel, tu l'auras. Parce que maintenant, l'Éternel est déjà près de toi. Afin de te visiter et par son secours. Pour cela, mets-toi debout. L'Éternel est près de toi. Ferme donc tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à lui parler maintenant. Remercie-le et loue-le. Éternel, ta bienveillance est arrivée à mon niveau. Et tu me visites avec ta bienveillance et son secours. Afin que j'aie le secours. Afin que je sois sauvé. Et ce que tu as apporté à plusieurs nations.
afin que maintenant en ce jour que moi aussi je l'ai en possession, ainsi le secours est entré dans ma vie, il est entré dans mon âme, il est entré dans mon esprit, il est entré dans mon corps et a sillonné ma maison, mon marché, dans mon lieu de travail, partout où je me trouve, partout où je serai, le secours de Dieu sera avec moi. Il me secourra en toutes choses. Elle me délivrera de tout ce que Satan mènera sur ma voie. Alors Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Car j'ai obtenu mon secours aujourd'hui. Le secours est ainsi entré dans ma vie aujourd'hui. J'en prendrai soin. Je ne permettrai jamais de le faire. Mon Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Le secours que tu as apporté à plusieurs nations. Aujourd'hui, tu es venu avec auprès de moi. Mon frère, ma soeur, continue de lui dire. Car le secours t'a atteint. Dis-le lui. Et tu es venu vers moi avec ton secours. Mon Dieu, merci à toi. Car tu es venu me visiter afin que le secours entre dans ma vie. Et tu es digne de gloire et de louange. Et tu es digne d'honneur à perpétuité. Et je te remercie du très fond de mon cœur. Père, merci à toi. Père, merci. Et tu es digne d'honneur. Continue et dis à Satan qu'à partir d'aujourd'hui ses œuvres ont pris fin dans ta vie. Les mauvaises œuvres ont toutes pris fin dans ta vie. Alors dis-le maintenant à Satan. Toi Satan, toi qui es un malfaiteur, toi qui es un pervers, aujourd'hui l'Éternel m'a visité. Et avec sa bienveillance et son secours. Pour cela, toi, Satan, tu ne me toucheras plus. Et parce que le secours de l'Éternel me couvre, sa puissance est entrée dans ma vie. Le secours qu'il a apporté à plusieurs nations, il me l'a apporté aujourd'hui. Et ce secours est entré en moi. Père, merci à toi. Les œuvres de Satan sont détruites. Les œuvres des sorciers et des magies sont détruites. Dans le nom de Jésus-Christ. Satan, tu n'y arriveras jamais. Aujourd'hui, on t'a totalement détruit. Dans le nom de Jésus-Christ. Car ma vie a changé aujourd'hui. Je suis une nouvelle créature. L'Éternel m'a envoyé son secours. Et il me l'a revêtu comme un habit, depuis la tête jusqu'aux pieds. Oh mon Père, merci à toi. Père, tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Attends-moi. Abraham fait ma hola. Se waji fokla anyigbae atenwa wono sianuye atenwa wono sianuye Abraham fema wola se waji fokla anyigbae atenwa wono sianun yesulawe Awe, awe lo, awe, eh, awe. Yes, awe, eh, awe, awe lo, awe, eh, awe. Christo awe, eh, awe, awe lo, awe, eh,
Yahweh. Atengwa awono osianwe. Abraham fema wola. Asewaji fokla anye higba e. Atengwa awono osianwe. Atengwa awono osianwe. Abraham fema wola. Sewaji fokla anye higba e. Atengwa awono osianwe. Yes, Lawe, hey, Lawe, Awe lo, Awe, hey, Awe, Christo Lawe, hey, Lawe, Awe lo, Awe, hey, Lawe. Remercie-le maintenant. Car il a fait accompli pour toi. Je l'ai manifeste dans ta vie. Tu as obtenu le secours aujourd'hui. Tu l'as acquis dans ton lieu de travail. Tu l'as obtenu dans ta maison. Tu l'as obtenu au marché. Tu l'as obtenu dans ta classe d'école. Tu l'as obtenu dans la rue. Tu l'as obtenu dans ton champ. Et partout tu te trouves, tu l'as obtenu ce secours. Oh, yes, Jésus, merci à toi. Jésus-Christ, Jésus-Christ, merci. Ah ouais. Tu l'as fait. Yes, ouais. Jésus l'a fait. Oh, yes, ouais. Jésus l'a fait. Cela est manifeste dans nos vies. Et tu es digne de gloire. Et tu es digne d'honneur à perpétuité. Nous te remercions. Car nous avons obtenu le secours de Dieu. Oh, Fofé. Oh, Père. Mon Dieu. Tu as eu pitié de nous. En nous délivrant des mains de Satan. Ta grâce est répandue sur nous. Aujourd'hui est un jour spécial. Et le dessein de l'Éternel s'accomplit pour nous. La puissance de l'Éternel est manifeste. Oh, Père, tu es véritablement le Tout-Puissant. Et tu existes et éternellement. Oh, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ. Merci à toi. Merci à toi. Merci. Oh, Jésus, Jésus, merci. Merci. Nous avons reçu une gloire éternelle aujourd'hui. Elle est ainsi entrée dans la vie de tout le monde. Ta puissance anime tes enfants. Et elle anime leur âme. Elle anime leur esprit. Elle anime tout leur corps. Et tu les as revêtus comme un habit. Le secours de l'Éternel. Le secours venant de l'Éternel. Et pour nous visiter aujourd'hui. Un nouveau jour s'est levé pour nous. Oh, Jésus, merci à toi. Jésus, merci. Akpena o ma onye afetonye. Wo anu ona o ololo. Aye asia alesi mele agbela. Mano yawo koda. Asia alesi mele agbela. Mano yawo koda. Akpena o ma unye afetonye la awo do wawo ololo aye asia lesi mele agbela mano yawo koda asia lesi mele agbela mano yawo koda awelo awe. Oh, I will. Oh, I am. I am so gallant and wagala. Gafo for them. Ah, I am. Yes, gallant and wagala. Gafo for the low. Ah, I am. Yes, gallant and wagger. Gafo for the. Ah, Yesu galana na wagala gapo bwadelo
Père, nous te disons merci. Père, nous te célébrons. Car ta gloire est descendue sur nous. Tout comme il pleut. Éternel. Et tu es descendu sur tes enfants. Et tu as débordé sur tes enfants. Et tu les as visités. Ainsi le secours est entré dans la vie de tout le monde. La gloire de l'Éternel agit au travers de tout le monde. Et a détruit tous les projets de Satan. La puissance des démons est brisée. La puissance des sorciers est brisée. La puissance des magies est brisée. La puissance des ténèbres est brisée. Aujourd'hui, la lumière a paru. La lumière a paru. La lumière a paru. La puissance de l'Éternel est effective. La puissance de l'Éternel est effective. Père, merci à toi. Père, merci à toi. Père, merci. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Odida. 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 Agba si tere jinye jila odida. Oh, odida. 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 Agba si tere jinye jila odida. Nous focata au vent, les Yesu va vous la main. Alléluia, Odida, 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 yeah. Agbasite de jinye jila Odida. Oh, nous focata au vent. Le Yesu, Yesu va vous la main. Alléluia, Odida, 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 yeah. Agbaya tele jinye jila Odida. Oh, Odida, 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 yeah. Agbaya tele jinye jila Odida. Oh, Odida, 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 yeah. Agbasi tele jinye jila Odida. Oh, nouveau kata. Hallelujah, Odida, 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 yeah. Agbazi tere nyanji jila Odida. Nufo kata Ovo. Hallelujah, Vavulam. Hallelujah, Odida, 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 yeah. Agbazi tere nyanji jila Odida. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Ferme tes yeux, chantons ce cantique. Chala amabuibe Yesu akuda atia unkolo Nyamanyaibe avulae evade Chala amabuibe Yesu akuda atia unkolo Nyamanyaibe avulae evade Nyamanyaibe avulae Yamanyaibe, avulae, avadem. Chala, mabuibe, Yesu, kuda, tiangukolo. Yamanyaibe, avulae, evadem. Dala yesye, chala, mabuibe, Yesu, kuda, tiangukolo. Yamanyaibe, avulae, evade. Fofomye dakena. Père, nous te disons merci. Nyele sa goma. Nous le comprenons. O ganyanya. Ta grandeur. O mousse. Ta puissance.
agissent dans nos vies. Elle cocon de miadji. Sont déversés sur nous. Aba lesi etia cocon dani baene. Tout comme il pleut actuellement. A penao. Merci à toi. Boubouye chenao. Tu es digne d'honneur. Kafu kafie chenao. Et tu es digne de louange. On dit cela. Ce matin. Et tu as envoyé ta parole dans notre cœur. La parole a pénétré nos cœurs. Elle a agi spécialement dans notre cœur. Et nous avons contemplé la gloire de l'Éternel. Sa puissance. Et sa présence. Par la puissance de la parole. Merci à toi. Car tu nous as donné la bonne compréhension dans la parole. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Mais comme Togo Yesu, ma oubagbe fadie, kakali mafiala, ou fonyanko naman. Azola me yabe, jifo me yinalo. Achala nyanku ogbala, me yinade kumala. Mais comme Togo Yesu, ma oubagbe fadie, kakali mafiala, ou fonyanko naman. Azola menyabe, jifo mayina. Azola menyabe, jifo mayina la. Azola menyabe, jifo mayina lo. Azola menyabe, jifo mayina la. Azola menyabe, jifo mayina la. Chala nyankuba, mayina de kumala. De kame togo yesu ma wugbagbe fevia kakali mofiala ofu nyanku wona azola menyabe jifo mayina achala nyanku ogba mayina de kuma de kame togo yesu ma wugbagbe fevia kakali mofiala ofu nyanku wona azola menyabe jifo mayina la. Azola menyabe, jifo mayinala. Azola menyabe, jifo mayina. Fifiala menyabe, jifo mayinalo. Azola menyabe, jifo mayina. Azola menyabe, jifo mayinala. Azola menyabe, jifo mayinalo. Praise the Lord. Hallelujah. Ake fefela. La vie amère. Navinye. Mon frère, ma soeur. Maole miak blom le beda si veviam. Dieu nous conduit dans ce message important. Eye miak le blom le mbena. Et nous y voyons. Maoche mokata. Et que Dieu amène déjà toutes choses à sa fin. Et pour cette raison, chacun doit s'apprêter. Dieu a appelé ses anges et les envoya dans ce monde en leur disant: examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui sont dans la douleur et poussant des soupirs, faites une marque sur eux. Ainsi qu'en viendra la rune, que eux, ils ne soient pas atteints. Et il leur a dit encore: prenez avec vous ma coupe de colère. Il leur a dit: donnez-la à boire à tout le monde. Tout le monde, sans exception. Une fois bu, ils s'enivreront. Et marcheront en chancelant. Et ils auront de mauvaises pensées. Et poseront de mauvais pas.
Et se mettront en colère. Alors, quand viendra la rune, elle s'abattra sur eux. Mais tout ce que vous auriez marqué, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Et ils auront de bonnes pensées qui seront précieuses. Ils poseront de bons pas pour se multiplier et s'élargir. Et quand viendra la rune, elle ne les touchera point. Et nous posons constamment cette question. De quel côté tu te trouves par rapport à cette affaire? Chacun l'a bu. Tout le monde. Tu l'as bu sans savoir que tu l'as bu. Maintenant, les pas que tu poses, tout ce que tu fais, les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont ces paroles qui vont t'attester, ou ce sont ces choses qui vont t'attester de quel côté tu te trouves. Personne ne te forcera. Non. Alors sois attentif à la parole. Jésus-Christ a dit, que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement. Les anges déchus ont épousé le genre humain et ont corrompu leur vie. De la même manière, de nos jours, nombreux sont ces anges de Dieu déchus qui sont dans ce monde. Hommes comme femmes, ils épousent les gens. Noé a prêché la parole de Dieu pendant 120 ans. Pas même un seul ne s'est converti. Mon frère, ma soeur, alors toute la question se pose à ce niveau. La parole de Dieu que tu entends, à quoi la destines-tu? Sois attentif. 8 seulement ont été sauvés ce jour-là. Et des millions de personnes sont mortes pendant ce déluge. Jésus continue en disant, que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement de nos jours. Viens voir la joie manifestée par les gens dans certains pays. Et parce qu'il y a des pays qui votent des lois en faveur du lesbianisme, en faveur de l'homosexualité. Ils sortent dans les rues et ils chantent. Ils sont dans l'allégresse. Les femmes épousent les femmes. Les hommes épousent les hommes. Ils ont oublié que quand cela est arrivé dans Sodome et Gomorrhe, oui, eux tous également étaient dans la joie. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le feu est venu du ciel pour les embraser tous. Et eux tous ont été consumés. Et c'est la même chose qui arrivera de nos jours. Ils sont dans la joie aujourd'hui. Et ils disent, mais pourquoi n'a-t-on pas vite et voté ces lois? Et pourquoi ne les autorise-t-on pas rapidement à ce que les hommes s'épousent entre eux, les femmes s'épousent entre elles?
Ainsi, ils ont fait pression et les lois sont votées. Et ils le font. Mais ils ont oublié une chose. Jésus l'a dit. Le feu les consumera tous. Et rien ne pourra sauver quiconque. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un niveau important. Et parce que nous avons vu que nous sommes en train de faire un certain voyage. Et Jésus-Christ a dit qu'il y a deux types de chemins ou catégories de chemins. L'un est resserré. Et sa porte est étroite. Il dit très peu et trouve ce chemin. Et l'un est spacieux. La porte est large. Où plusieurs s'y trouvent. Et qui les mène dans le feu éternel. Mais le chemin resserré. Mène de gens qui l'ont trouvé dans le royaume de Dieu. La question est celle-ci. C'est sur quel chemin tu te retrouves? Nous y attaillons. Pour cela, nous voyons que si ce voyage est ainsi, et que tu es enfant de Dieu, et que tu te retrouves sur le chemin resserré, et tu peux trébucher dessus, et il va te prendre comme dans l'étau, et tu vas traverser des douleurs. Par cela, et tu as besoin de recevoir des instructions pour te diriger. Les choses qui vont te conduire durant ce voyage. C'est pour cela que nous voyons des choses qui sont très importantes. Avant d'aller en profondeur. Frères et sœurs, nous avons vu que Rahab a fini Israël n'a gardé Canaanigba si roux donc ben Abraham a connu la terre. Rahab, avant que les enfants d'Israël n'entrent en possession de la terre que Dieu avait promis à Abraham, elle a enseigné ses deux envoyés. Elle leur a montré comment se cacher. Afin que l'ennemi ne les tue point. Nous traversons donc ces temps-là. Que l'ennemi ne te détruit point. Pour cette raison, reçois l'instruction. Et acquiert la connaissance. Nous avons vu que Hannah. Anne, à la naissance de Jésus-Christ, elle a annoncé à Jérusalem. Au sujet de la délivrance de Jérusalem, une femme, c'est elle qui accomplit cette tâche. Nous avons vu que après la résurrection de Jésus-Christ le troisième jour, il est apparu à Marie de Magdala, une femme. Et il l'envoya. Frères et sœurs, Jésus envoya Marie de Magdala en lui disant, va vers mes frères et dis-leur et enseigne-leur
que moi Jésus j'ai ressuscité des morts. Navio, frères et sœurs, ces paroles sont des paroles qui sont très importantes. Pour cette raison, nous voyons que qu'il n'est pas bon de dire que la femme ne peut enseigner. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a envoyé une femme pour qu'elle aille enseigner, pour qu'elle aille annoncer sa résurrection des morts aux apôtres. Et Marie est partie le faire exactement. Et nous voyons la conséquence de cela. Nous avons vu certains exemples également. Frères et sœurs, retournons donc là-bas. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 18. Actes chapitre 18. J'aimerais que tu te rappelles que nous avons vu Priscille et Aquilas. Ces deux qui ont révélé certaines des œuvres importantes qu'ils ont eu à accomplir. Voyons donc une ou deux choses les concernant et nous allons évoluer. Actes chapitre 18. À partir du verset 24. Acte 18, le verset 24. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Avio, frères et sœurs, apostolo Paolo dogo kle prisca kle Aquila le Corinto. L'apôtre Paul rencontra Prisca et Aquilas à Corinthe. Eye, onya singdo la o. Et ils étaient des artisans. Abale Paul ha. Et tout comme l'était Paul. Alors Paul séjourna chez eux. Et ils faisaient tous, ils tissaient des tentes. Et qu'ils vendaient aux gens. Et Paul continua d'enseigner dans la parole de Dieu. Et ils ont examiné les enseignements de Paul. Et ils ont appris beaucoup de choses des enseignements de Paul. Paul, quand il allait repartir, il les a pris avec lui. Et ils sont partis à Éphèse. Et Paul n'avait pas planifié de rester à Éphèse. Et parce qu'il voulait se rendre à Jérusalem. Et il laissa à Éphèse Prisca et Aquilas. Frères et sœurs, Éphèse allait. Prisca et Aquilas étaient à Éphèse quand vint un homme, un frère appelé Apollos. Et une fois arrivé, il prêchait la parole de Dieu.
avec exactitude. Et ils l'ont écouté. Le verset 25. Et ils étaient instruits dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Oui, il n'a connu que le baptême de Jean. Frères et sœurs, Apollo, il est dit qu'il était fervent d'esprit. Il était un grand sage. Il enseignait avec force. Alors quand il est venu à Éphèse, il est venu et était fervent dans ses enseignements. Il a parlé de Jésus. Et tout ce qu'il savait au sujet de Jésus, c'est uniquement ce que Jean le Baptiste avait enseigné. Cela veut dire que Apollo ne connaissait pas beaucoup de choses ou rien du tout sur tout ce que Jésus lui-même a enseigné. Jean était né avant Jésus. Afin d'annoncer l'avènement de Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. Alors certains des disciples de Jean qui étaient avec lui, quand Jean leur a montré Jésus, eux tous ont quitté Jean pour suivre Jésus. C'était là le programme. Ok. Le verset 26. Le verset 26. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Quand ils l'écoutaient, Apollo enseignait librement avec force. Et Aquilas et Priscille étaient parmi la foule. Et ils ont entendu l'enseignement donné par Apollos. Et ont constaté qu'il y a plusieurs erreurs glissées dans les enseignements d'Apollos. Et ils ont compris que tout ce qu'il enseignait n'était que ce que Jean le Baptiste avait enseigné seulement. Apollo, menyang kude Yesu Christo, pung fationutio. Apollos ne savait pas, ne savait rien sur la doctrine ou l'enseignement de Jésus-Christ. Ayata. Par cela, Aquila ple, Prisca, Oklo, Apollo va au Cuba, le bafem. Aquilas et Priscilla. Et Priscille ont pris et Apollo pour l'amener chez eux. Et lui exposait les enseignements. Écoute bien. Et là, nous avions vu certaines paroles, certains mots très importants en grec. Parce que la Bible dit ici, il le prit avec eux
et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Frères et sœurs, ils ont enseigné, ils ont exposé, expliqué. Oui, français a expliqué. Ils ont exposé clairement les choses. Ayata Emma a crié Besteron. Et ma blaba n'a quoi il référence la fois de câble à ce qui va adre 197. Et la référence que j'avais donnée, c'est 197. Oui, la fois de câble. Blacheki vo adre 197. Mais c'est deux choses. Ay diba autoy eketento. Ama fia bena autoy gomnya ba lui him. Ya lui. Oui, lui. Tout. Eketento. Il y a un magbaba na koya le 1620 à peu de cas alors fa de blavre. Et ceci, la référence est 1620. Et c'était un peu confus pour certains. Ces deux mots. Et felia oba ay ay magbaba na côté ou chato. Côté ou chato. Plus exactement qu'avant. On lui expliquait donc les choses. Et que tento ou de mené. Il lui exposait plus exactement la chose. Navio. Frères et sœurs. Et à Nati et Fémi pour la Fima. Nous avons vu deux choses donc là-bas. Le can avait dit les. La fois de câble, ce qui va adre 197, la référence du premier. Et le second, n'a quoi il est à peu de cas à l'offre à de blave 1620. Yes. 1620 l'anglais. Oui. Non, daddy. Écris ces références. N'avait quoi. Donc, que. A quoi la gloire. Presque à où. Tu peux aller les chercher et trouver exactement ce qui explique le travail que Aquilas et Prisca ont fait. Nous venons de la fiamme. Il y a quelque chose d'important ici que nous allons voir. Le verset 27. Kelsi wole didimbe yayi de gede tout à comme il voulait passer à la haï, les frères l'y encourageaient et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru. Nous si à le dame de gocho si à bena. Ceci démontre que après qu'ils aient fini d'enseigner Apollos, ce dernier avait véritablement bien compris les choses maintenant.
Et il a pu discerner maintenant la plupart des erreurs qu'il faisait quand il enseignait. Pour cette raison, il a dit, je vais partir et passer en Achaï. Ceci se passait à Éphèse. Il y avait plusieurs à Éphèse car ce n'était pas sa première fois de venir à Éphèse. Il le connaissait déjà à Éphèse. Maintenant, il a constaté que sa doctrine, les enseignements qu'il enseigne, que ce n'était pas la véritable doctrine de Jésus-Christ. Mais maintenant, s'il allait se tenir debout et pour dispenser ce qu'on vient de lui enseigner, et il y aura beaucoup d'opposition ou de persécution parmi les Éphésiens. Sois attentif, car je t'emmène quelque part. Alors il a voulu partir. Et ils l'ont encouragé que là où il va maintenant, que ce qu'il a compris maintenant, qu'il puisse aller les dispenser. S'il te plaît, sois attentif à ces paroles. Ils l'ont encouragé. Le verset 28. Car il refutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Frères et sœurs, si tu es attentif à ceci, tu verras que Apollos a changé totalement. Il ne dispensait plus l'ancien enseignement. Il a embrassé le nouvel et ce qu'on lui a enseigné, que cet homme et cette femme lui ont enseigné. Et il a bien compris cela. Il est parti démontrer dans ses enseignements que c'est Jésus qui est le Christ. Et si tu fais un peu attention aux paroles ici, tu comprendras que plusieurs en ce temps-là, dans la plupart de ces villes, n'ont pas compris que c'était Jésus qui est le Christ. Ok. À cause de cela, bon, nous irons au chapitre 19 et brièvement nous allons voir quelque chose là-bas et l'expliquer et continuer. Maintenant, problème l'Éphèse. Cela veut dire qu'il y a des problèmes à Éphèse. S'il te plaît, sois attentif. Tout comme de nos jours, il y a des problèmes dans plusieurs pays. Et parce que plusieurs ont enseigné ou donné de faux enseignements. Les choses qui ne vont pas sauver les gens. Mais c'est ce qu'ils ont enseigné. Et plusieurs vivent maintenant dans ces enseignements. Sois attentif. La Bible dit, donc on dit Paul souviens-toi que Apollos a Paul plutôt a quitté et Prisca et Apollos à Éphèse pour partir à Jérusalem. Paul trop va.
Et Paul est revenu. Le chapitre 19, le premier verset dit, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Apollo a quitté Éphèse. Kaka va à Corinthe. Et il est arrivé à Corinthe. Et il continua à dispenser la nouvelle doctrine qu'on venait de l'enseigner. Ok. Et Paul va Paul a parcouru des hautes provinces de l'Asie et il est revenu à Éphèse. Ce que nous allons lire maintenant, démontre que quelque chose s'est passé à Éphèse. Le verset 2. Et la fin du verset premier dit, ayant rencontré quelques disciples, il a rencontré quelques disciples. Il leur dit, le verset 2, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Paul revint à Éphèse. Après qu'Apollo ait été enseigné, et cet enseignement reçu de la part de Prisca et d'Aquilas. Ils lui ont enseigné des choses profondes au sujet de la doctrine de Jésus. Et il les a bien saisis. Et il a remarqué que il était dans l'erreur. Ce qu'il enseignait n'était pas convenable. Parce que Jean, il est venu annoncer la venue de Jésus. Mais et c'est l'enseignement là que eux ont gardé et ont continué de dispenser. Ainsi donc tous étaient demeurés dans l'enseignement de Jean-Baptiste. Tout comme plusieurs dans plusieurs églises. Et baptise les gens en versant l'eau sur leur tête. Et c'est ce qu'ils font et continuent de faire. Alors que ce acte n'est pas le véritable baptême. Car le véritable baptême, c'est que tu sois immergé dans l'eau. Tout comme Jean l'avait fait à Jésus-Christ. Alors une fois plongé, on t'immerge dans l'eau. Jésus te rencontre sous l'eau. Et il te fait la circoncision du cœur. Et pour que tu sois né de nouveau. Alors tu deviens une nouvelle créature. Mais on a versé l'eau sur la tête des gens. Et ils disent qu'ils ont été baptisés. Frères et sœurs. Plusieurs sont déjà morts. Parce qu'ils étaient âgés, vieillis et sont morts. Et ont demeuré dans ce baptême-là.
Frères et sœurs, et plusieurs vont dans la perdition. Sois attentif. Paul rencontra quelques-uns des disciples à Éphèse. Et il leur demanda, quand vous avez cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils lui répondirent non. Nous ne savons rien au sujet du Saint-Esprit. Viens voir ce qu'il leur a demandé. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et il répondit, du baptême de Jean. Il dit, si tu nous parles du Saint-Esprit, nous ignorons tout sur l'existence de ce Saint-Esprit. À qui Paul posait ces questions? Nous sommes là-haut. À des disciples. À Éphèse. Et pas que de simples fidèles, non. C'était des disciples. Ceux qui enseignaient. Et comme à l'image d'Apollo, c'est pour cette raison qu'Apollo s'est parti. Parce qu'il savait que le travail qui est à Éphèse a accompli, que maintenant il a connu la doctrine, mais il ne peut abattre ce travail parce que ce travail est au-dessus de lui. La grâce de Dieu, Paul trouva. Par la grâce de Dieu, Paul est revenu. Paul va guider dans ma wawam. Et s'est mis à faire ce travail. Paul a dit oui. Paul pouvait le faire. D'autonyé. Sois attentif. Yo bien mon sabre. Un cadeau de mort qui t'a mamido. Et il leur posa la question, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et vous ne savez rien au sujet du Saint-Esprit? Yo don chine bena. Ils répondirent. De Johannes. Du baptême de Jean. Verset 4. Le verset 4. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Johannes, le baptême de Jean, c'était juste une introduction. Afin que les gens s'abandonnent à Jésus. Pour cette raison, quand Jésus est venu et qu'il a pris ses disciples, il leur a enseigné cela et eux, ils baptisaient la foule. Sois attentif. Le verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, quand ses disciples ont entendu ces paroles, que le baptême de Jean-Baptiste uniquement ne les a pas sauvés. Que ce baptême n'a pas fait d'eux de nouvelles créatures. Et que ce baptême n'a pas fait de nouveau-nés. Alors que c'était cette doctrine qui avait cours dans ces contrées. Pour cette raison, la Bible dit, quand ils ont entendu ces paroles, Paulo, fiamoule expérience allô tu ne peux pas que de toi fiamo amiao ou c'est comment
car Paul leur a appris avec l'expérience et toute son expérience qu'il a dans son ministère. Et ils ont compris. Il est vrai qu'Apollos ne peut faire ceci. Car le niveau de Paul était très élevé. Alors Apollo partit pour une autre ville. Paul va à Éphèse. Paul revint à Éphèse. Va à Doya. Pour faire ce travail. Et il fut baptisé. Et si Paul décide aujourd'hui là, Bobo Kokuila va aujourd'hui. Et au bout nous plaît à des yeux et au bonyadi. Le verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et au cata, on a mutuwiève. Ils étaient en tout environ 12 hommes sans compter les femmes. Novio. Frères et sœurs, voilà l'explication de la chose. Le travail que Prisca et Aquila ont fait, c'est là l'exposé du travail. Tu reconnaîtras que ils ont travaillé sérieusement sur Apollos. Et Apollos a compris les choses. Et car la doctrine dans laquelle était Apollos, ses mêmes disciples étaient dans la même doctrine. Et c'est ce qu'ils enseignaient uniquement. Et Paulo va tromper Bouakata. Et Paul a changé tout cela. Fifiade. Maintenant, le nousia gomme se semé à l'écart. Dans la compréhension de ceci, miakbo nouvelle viade. Voyons donc quelque chose d'important. Avio. Frères et sœurs. Laissez-moi miadjechier bena. Dans ceci, nous reconnaîtrons que mau ko. Dieu a donné une intelligence et une science particulière à la femme. S'il te plaît, sois attentif. Une science particulière qu'il a mise dans la femme. Et cette science permet à la femme d'aider l'homme afin qu'ils arrivent à développer ensemble leur potentialité, afin d'arriver à se bâtir potentiellement. Une science particulière, toutes les femmes en possèdent. Et nous allons voir certaines choses là-dedans. Allons dans Proverbes le chapitre 14, le premier verset. Le dodo tawi en. Piki banto el blobana. Proverbes 14, le premier verset dit. Sois attentif. Nyon wopenounya. Toi, wopecho. La femme sage bâtit sa maison. Vois-tu comment on a classé les choses ici? La femme sage. Sois attentif. On ne dit pas que l'homme n'a pas de sagesse, non. Cette sagesse qu'a la femme, ce n'est pas la même sagesse que l'homme a. Dieu l'a fait ainsi. Et pour que la femme arrive à aider l'homme. L'homme va attirer la femme vers lui. L'homme va recevoir de la femme. La femme également va recevoir de l'homme. On ne parle pas de l'autorité ici. Et c'est pour cela qu'il est dit, on ne permet pas à la femme de prendre autorité sur l'homme. Ah, oh. Non.
Ce n'est pas pour cette raison que Dieu lui a donné cette sagesse. Sois attentif, nous allons quelque part et c'est très important. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La sagesse que Dieu a donnée à la femme, elle s'en sert pour bâtir sa maison. Mais si elle est animée de folie, elle la renverse de ses propres mains. Le second point, pour cela, si la femme est animée de colère, cette sagesse que Dieu lui a donnée, cette sagesse se change en folie. Et la vie de la femme est ainsi couverte de ténèbres qui détruit cette femme. Et détruit également l'homme. Sois attentif. Car c'est très important ceci. Proverbe 24. Lisons les versets 3 et 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Comme ceci, Ochona. Et par l'intelligence, elle s'affermit. Donc, c'est la sagesse qui bâtit la maison. Et par l'intelligence, tu affermis ta maison. Et Le verset 4. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Est-ce que tu vois? Si je dis mal, nous prenons d'abord la femme. Elle a la sagesse. Comme ça se lèche. Elle a l'intelligence. Si je dis lèche là. Elle a la science. Alors, la science dispose convenablement les choses dans la maison qu'elle a bâtie. Là où sera chaque chose, elle réserve une place pour chaque chose. Comment planifier et arranger les effets d'une manière particulière? Comment organiser la vie et disposer les choses convenablement dans cette organisation de la vie? Cet acte, quand est-ce qu'on doit poser ce pas? L'autre aussi, quand est-ce qu'on doit le faire? Où est-ce qu'on doit déposer ceci? Dans quelle position ou posture doit-on mettre la chose? Pour sa multiplication et son élargissement. La femme possède donc cette sagesse. Sois attentif. Pour cette raison, si elle fait ce travail, elle doit prendre soin de sa personne. Car tous les événements qui vont se produire pour l'amener à se mettre en colère, à s'irriter, vont se produire. Mais si elle ne se met pas en colère,
les choses vont s'accroître. Mais si elle se met en colère, aussitôt, une certaine obscurité envahit sa vie. Frères et sœurs, la vie de plusieurs a été détruite à cause de ceci. Maintenant, nous prenons la femme. Proverbe chapitre 27. Et voyons quelque chose d'important. Le chapitre 27, les versets 3 et 4. Il dit, la pierre est pesante. La pierre. On dit qu'elle est pesante. Et le sable est lourd. Frères et sœurs. La pierre. Elle est pesante. Le sable. Il est lourd. Sois attentif. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. L'humeur de l'insensé pèse plus que la pierre et le sable. Donc, souviens-toi, nous le voyons au sujet des oiseaux de proie. Nous étions en train de voir 6 points qu'on n'a pas encore fini. Nous sommes toujours sur le second. Le premier, la haine. Le second, la colère ou l'irritation. C'est ceci. C'est une partie de cela. On dit que la pierre est pesante. Et le sable est lourd. Mais si celui-là se met en colère, c'est qu'il est insensé. Pourquoi est-il insensé? La raison de sa colère, il ne savait pas que cette chose qui était l'objet de sa colère était un ajout dans sa sagesse avec lequel il peut travailler. Il y a tellement d'exemples. Joseph. Ses frères l'avaient vendu comme esclave. S'est-il mis en colère? Répond. Joseph. Celui qu'il avait acheté, il était avec lui. Et il s'occupait de toute sa maison. La femme de son maître l'avait pris pour l'obliger à coucher avec elle. Et il s'est débattu et s'est débarrassé de ses liens. Et le pagne était resté dans la main de la femme. Et il remet ce pagne à son mari. Que voilà, Joseph est venu pour coucher avec elle. Elle s'est débattue et il a fui. Voici son pagne. Et qu'est-ce qui se passe au sujet de Joseph? On est en train de mentir dans son compte. S'est-il mis en colère? On l'envoya directement en prison. Maintenant, prison yo dogo. En prison, il a rencontré deux personnes venues de la maison de Pharaon. Et les deux ont fait un rêve. À l'un, il lui a dit, la semaine prochaine, on va te couper la tête. Et il a été tué également. Le second, il lui a dit, ton rêve. Son explication, c'est que la semaine prochaine, on va te rétablir dans ton travail. Et lui a dit, et quand tu seras rétabli dans ton travail,
La raison pour laquelle on m'a mis en prison, je ne l'ai pas fait. On a menti. Alors, souviens-toi de moi. Et quand vient le moment, cet homme a été rétabli dans son travail. Et l'autre a été tué. En partant, Dieu envoya sa main et enleva cette parole dite par Joseph. Quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Dieu l'a enlevé. Tout est planifié d'une certaine manière. Garde cette parole en tête. Tout est planifié pour un certain but, frères et sœurs. Si celui-là se met en colère, il fait en sorte que les ténèbres le couvrent encore. Il ne pourra plus avancer et ne pourra pas être fécond. Alors que c'est un certain chemin que l'Éternel des armées a frayé. Il a frayé ce chemin pour Joseph. Et ses frères l'ont vendu. Et parce que ce que Joseph va devenir sur la terre d'Égypte, si tu n'es pas citoyen, tu ne peux jamais occuper ce poste. Jamais. Mais quand il a été vendu et acheté par un citoyen du pays, c'est tout comme on vend des vêtements au marché que tu es parti acheter. Ce n'est pas toi qui l'as confectionné. Tu n'as pas tissé ce pain. Mais parce que tu l'as acheté, il devient ta propriété. Alors cet Égyptien, quand il a acheté Joseph est devenu maintenant la propriété de cet Égyptien. Voilà l'explication. Et maintenant, Dieu voulait qu'il occupe le poste de premier ministre. Le premier ministre. L'Égypte. En Égypte. Alors maintenant, nous y a il a maintenant la citoyenneté pour devenir un premier ministre. Parce qu'il a été vendu et il est devenu la propriété d'un Égyptien. Maintenant, comment va-t-il faire pour arriver dans la maison de Pharaon? C'est le fait qu'on ait menti dans son compte. Joseph s'est débattu pour se débarrasser de la femme. Et il s'est enfui. Sinon, la femme allait le forcer à coucher avec elle. Mais on s'est servi de cela pour mettre Joseph en prison. Pour cela, quand il a rencontré les gens de la maison de Pharaon et qu'il leur a expliqué leurs songes, l'un a été mis à mort, l'autre a été rétabli. Dieu savait que l'heure n'a pas encore sonné. Il a ôté cette parole de la tête de ce monsieur. Et Joseph resta en prison pendant 5 ans. Jusqu'à ce que Pharaon ait fait un rêve. Et il y a des grands sages en Égypte. Il a cherché qui pourra lui expliquer ce songe et il n'a pas trouvé. Et Dieu est revenu. Pour remettre dans la tête de cet homme à qui Joseph a fait dire: souviens-toi de moi. C'est comme si quelqu'un qui dormait et il s'est réveillé du coup. Et l'homme cria: oh, ben j'ai oublié. Pharaon dit: que dis-tu?
prison. Mais il y a un jeune homme en prison. Il y a des drogues. C'est lui qui nous a expliqué nos rêves. Ah, mais ce jeune homme, je l'ai oublié. Pharaon a dit, faites-le sortir en même temps. On fit sortir Joseph. Pharaon lui a dit, j'ai fait tel rêve, tel rêve. Explique-le-moi. Il dit, cela veut dire qu'il y aura de l'abondance, tellement d'abondance pendant 7 ans. Et quand les 7 années seront révolues, il y aura la famine. Personne ne trouvera à manger. Personne ne pourra cultiver son champ. On ne trouvera pas à acheter nulle part. Voilà l'explication du songe. Et Pharaon lui demanda, que dois-je faire maintenant? Il dit, cherche quelqu'un. Durant les 7 premières années, quand il y aura de l'abondance, afin qu'on amasse le blé, qu'on construise de grands magasins, et qu'on amasse le blé dans ces magasins. Ainsi, à la fin des 7 ans, et que les 7 années de famine vont arriver, alors tu pourras vendre ce blé à la population. Et Pharaon lui demanda, tu me dis de chercher quelqu'un pour amasser le blé, pour construire des magasins et amasser le blé. C'est ce que tu me dis? Il répondit oui. Il demanda, d'où vais-je trouver ces gens-là? Quand j'ai fait ce rêve et je cherchais qui me l'expliquait et je ne trouvais personne. Pharaon dit, c'est bon, j'ai trouvé la personne. C'est toi, Joseph. À partir de maintenant, toi, le premier ministre, l'Égypte. Tu deviens le premier ministre en Égypte. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu vois comment Dieu organise ces choses? Toutes les demandes de l'Éternel, est-ce que tu les vois? Si Joseph s'était mis en colère, tout serait détruit. Mais il a accepté ces choses ainsi. Et quoi qu'on avait menti, quoi qu'on l'avait maltraité, mais le voilà. Il est devenu premier ministre. Depuis ce jour jusqu'à nos jours, premier ministre, allez, que me va. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Égypte. Amen. De comment va Égypte? Aucun premier ministre n'est venu en Égypte. Et pour travailler, pour être égal à Joseph, non. Égypte, on l'a mis encore d'aller. En Égypte, tout est écrit. Envio. Frères et sœurs. Dieu l'Éternel des armées, c'est lui qui a établi tout ceci. Afin de passer par Joseph pour faire venir les enfants d'Israël en Égypte. Vois-tu la voix de l'Éternel? C'est ainsi que les choses se présentent. Dieu a donné une sagesse à la femme pour qu'elle l'utilise. Le mot Yahouchi. Et dans ses voix. D'accord. Mais. Vakoda. Viens voir. Proverbe 27 et le verset 3. La pierre est pesante et le sable est lourd. Que bomati la petite penaou ou amafela. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Quand l'insensé s'est mis en colère, le sable qui est lourd et la pierre qui est pesante sont tombés sur lui-même. Et nous avons vu que la colère, c'est du feu qui brûle. Aussitôt, il consume. On le voit, celui-là, physiquement.
mais ce qu'il est potentiellement a été consumé. Le verset 4 dit: la fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? On n'a pas encore attaqué la jalousie, donc on la laisse de côté. La fureur est cruelle. Et la colère impétueuse. Aussitôt tu verras que son visage change d'aspect. Et parce qu'il est en colère. Viens voir les propos qui sortiront. Il pense qu'il est en train de se mettre en évidence. Cela veut dire quoi? C'est quoi donc? Qu'est-ce que tu penses de moi? C'est qu'il est en train de se briser lui-même. Ce qu'est celui-là que l'Éternel a envoyé dans ce monde? Les ténèbres sont en train de le couvrir. Et il se brise. Allons au chapitre 26 de Proverbes. À partir du verset 6. Amesi d'adou asina. Il se coupe les pieds, il boit l'injustice. Mm-hmm. Celui qui donne des messages à un insensé. Quand on donne un message à un insensé, quand est-ce qu'il est insensé celui-là? Quand la colère l'anime. Du quoi va na le La colère vient parce qu'il y a eu une mésentente ou un malentendu. Frères et sœurs, celui-là peut faire quelque chose de mal contre toi. Si tu te mets en colère, certes tu as raison, mais demande-toi sur quel chemin Dieu t'a placé. Nous avons vu le cas de Joseph. Et rapidement, frères et sœurs, sur quel chemin Dieu t'a-t-il placé? Si Joseph s'était mis en colère quand il est devenu premier ministre, oui. Selon toi, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut mettre en prison cette femme et son mari en même temps. Et Pharaon a confié la gestion de tout le pays à Joseph. Et Pharaon est allé jusqu'à confier la gestion de toute sa maison à Joseph, disant qu'il est le maître de sa maison. Que dis-tu? Et donc, étant père, c'est lui qui va veiller sur sa maison. Si il y a des sujets et qu'on présente devant Pharaon, que nous avons tel ou tel problème, il dit, allez voir Joseph. Et Pharaon ne faisait plus rien. Et Joseph avait la charge de tout cela. Non, via Yokese. Ses frères qui avaient vendu Joseph pour qu'il soit amené en Égypte, ils sont venus en Égypte. Quand il y avait déjà la famine dans le monde, en Égypte, il y avait de l'abondance. Et ils sont venus pour en acheter. Ils ont vu Joseph sans le reconnaître. Mais Joseph les a reconnus. Et il leur a posé la question. Et est-ce que vous allez bien? Il répondit, oui, nous allons tous bien. Et Benjamin, il va bien. Benjamin, il va bien. Mais comment connaît-il Benjamin? Benjamin était le petit frère de Joseph. Leur mère a donné naissance à deux enfants. Oui. Et quand il a vu qu'ils étaient étonnés, il demanda, papa Jacob. Et père Jacob. Mais tu connais aussi notre père.
Mais c'est notre père. Il est là. Il dit, c'est moi, Joseph. Oui, je suis Joseph. Celui que vous aviez vendu. Ils étaient saisis de peur. Et il leur a dit, n'ayez pas peur. Savez-vous? Vous m'aviez vendu. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Pour vous sauver. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu le vois? Est-ce que tu vois la sagesse en action? Si tu te mets en colère, tout sera totalement détruit. Tout sera mis dessus, dessous. Il y aura des ténèbres dans ta vie. Frères et sœurs, il est presque l'heure. Je ne pourrai point atteindre le niveau prévu pour aujourd'hui, mais ne crains pas. Celui qui donne des messages à un insensé se coupe les pieds et il boit l'injustice. La sagesse qu'a l'insensé. Parce qu'il est insensé, il se coupe les pieds. Il ne peut plus y travailler. Mon frère, ma soeur, sois attentif. Et comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence. Sentence dans la bouche des insensés. La femme a la sagesse. Mais parce qu'elle s'est mise en colère et que la folie soit venue dans sa vie, ses jambes sont faibles. Alors elle ne peut plus marcher. La sagesse ne peut plus agir. Pas du tout. La sagesse se change en insensé ou en folie. Mon frère, ma soeur, la chose est avec toi. Et tu l'as détruit toi-même. Mon frère, ma soeur, je te prie, sois attentif. Le verset 8. C'est attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comment l'a-t-on honoré? On lui a donné la sagesse. Dieu t'a donné la sagesse. Mais comme tu es devenu insensé, tu es comme une pierre attachée dans une fronde. Aucun gain ne sortira de cela. Frères et sœurs, toutes les femmes dans ce monde, ce qu'elles doivent devenir, c'est sans précédent. Mais c'est à cause de ceci que rien ne marche. Le verset 9. Comme une épine qui se trouve dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Vois-tu? La personne est ivre et a une épine dans la main. Et elle ne sait même pas qu'elle a une épine dans la main. Cela peut tomber et être détruit. On dit, c'est ainsi la sagesse qu'a l'insensé. Parce qu'il s'est mis en colère. Et sa sagesse s'est changée en folie. Frères et sœurs, lisons encore quelque chose. Alors, chapitre 9. Proverbe chapitre 9, le verset 13. Qu'est-ce qu'il dit? La folie est une femme bruyante. Stupide et ne sachant rien.
Je ne suis pas là aujourd'hui pour injurier les femmes. Je voudrais juste que tu saches qui tu es. Toute colère qui t'anime fait la sortir. Parce que cela détruit beaucoup de choses en toi. Ce que Dieu t'a donné, c'est avec cela que tu pourras aider ton mari. Parce que la sagesse que tu as, ton mari ne l'a pas. Ce que tu peux accomplir, l'homme ne peut l'accomplir. C'est toi qui vas porter cela et les mettre sur ses girons. Et l'homme va les recevoir. Et quoi qu'il dira, je suis la tête, je suis la tête. Mais c'est toi qui as porté cela sur ses gens. Avant de voir, cette famille s'est élargie du coup. Elle a progressé. Et la femme travaille bien. Il y a tellement d'exemples. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, la colère détruit ta vie. Le travail que tu dois faire, ce que tu dois devenir, se détruit. Cela se détruit. Sais-tu? Allons rapidement sur le dernier point lu et le dimanche passé. Et parce que la femme est insensée, son visage est bruyant. Et si tu te mets en colère, ton visage est bruyant. Et tu deviens stupide. Et tu perds la sagesse. Actes des Apôtres, le chapitre 2. Le verset 20. Il dit, Acte des Apôtres, le chapitre 2, le verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. Ce à quoi l'Éternel t'a prédestiné, toi femme. C'est pour cela que personne n'a le droit de t'interdire d'enseigner. Car Dieu t'a donné une sagesse spéciale. Prisca l'a utilisée. Elle a aidé Apollos. Cette sagesse-là, si tu te mets en colère, ton soleil se change en ténèbres et la lune en sang. Tout sera détruit dans ta vie. Mon heure a sonné. Je ne peux continuer. Retrouve-moi le dimanche. Je vais relancer à partir d'ici. Et nous allons examiner certaines choses qui sont très importantes. Garde cette parole en tête. La femme, elle est très importante. Dieu ne permet pas de tourmenter la femme. Pour cela, Dieu lui a donné une sagesse particulière. Mais si elle se met en colère, alors son soleil va se changer en ténèbres et sa lune en sang. Et elle sera détruite ainsi. Mets-toi debout maintenant et nous allons prier. Après toi, yes, me va. Oh, nous doudou, nous non. Agbechi si le mawo. Après toi, nade emano. Nous doudou, nous non. Agbechi si le mawo. Après toi, nade emano. Aso tout belagbuna yahua. Prime na dima l'éternel. Au père. Tu connais tout le nyajimala. Que la colère sorte de mon cœur. Et que l'irritation sorte. Et totalement de moi. Car
je vois que la pierre est pesante et que le sable est lourd, mais la colère est plus pesante que les deux. Cette colère qui pèse dans ma vie, c'est elle qui m'opprime et celle qui me met dans le sable et l'abîme m'avale, et parce que la colère est en moi. Père, je t'invoque que la puissance de la colère sorte de ma vie à partir de maintenant. La sagesse de l'Éternel agira en moi. La puissance de l'Éternel agit dans ma vie. Père, merci à toi. Et tu es digne de gloire. Éternel, secours tes enfants dans le nom de Jésus. Père, nous t'invoquons cet instant et nous te rendons grâce parce que tu nous expliques les choses afin que nous acquérons la connaissance, et parce que l'ennemi veut nous détruire. Mais aujourd'hui nous l'avons reconnu, toute colère détruit la vie de l'homme. À partir d'aujourd'hui, et les colères sont changées en riz dans le nom de Jésus-Christ. La joie va animer chaque cœur. Ainsi le dessein de Dieu agira dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous le comprenons que nous n'avons rien à dire pour défendre la colère que nous anime. Non, mais plutôt elle détruit notre vie. Elle sort de nous aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Tu es digne de gloire et de louange. Jésus, merci à toi toujours. Amen. Amen. La présence de Dieu, sa puissance, sa protection agiront dans nos vies pour te garder. Ta sagesse se multipliera et tu te réaliseras selon le plan de Dieu dans ton monde. C'est accompli dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Et prends bien soin de toi afin de te réaliser selon le plan de Dieu. Dieu soit avec toi. Bien soin de ta personne. Débarrasse-toi de toute colère. Dans le nom de Jésus. Au revoir. Amen. Amen. I have said so that you